Ok, je vais vous montrer là, parce que là on sent qu'on est chaud. Je vais vous montrer la technique pour avoir de l'honneur, mais ça c'est vraiment si vous êtes dans la merde. Parce que vous pouvez toujours avoir les récompenses si vous êtes honneur 2 pour février. Faire maintenant. On a déjà eu les récompenses, gros. Oui, en gros, là actuellement, exemple, je suis honneur 0 ou 1 sur League of Legends et j'ai fini Gold 5, saison 8. Donc je suis censé avoir un cadre gold, une icône gold et le skin d'Orianna, ou même le champion plus le skin d'Orianna qui va avec. Mais le fait que je sois honneur 0 ou 1, je ne les ai pas. Je ne les ai pas parce que League of Legends veut que je sois minimum honneur 2 pour que j'ai ces récompenses. League of Legends vous fait un cadeau. Vous pouvez revenir honneur 2 jusqu'à début décembre. Je vais vous mettre la date à un endroit. Début décembre, début février. Vous avez début février, je crois, ou mi-février, pour revenir honneur 2 et vous aurez les récompenses. Mais après, c'est fini. Gant en arame avec des viewers. Mais en fait, c'est parce que là... Ah merde, putain, j'ai pas lancé. Alors, là, j'ai même pas besoin de parler. J'ai même pas besoin de faire des mottes. Tu balances juste le boost d'RP. Vous allez voir comment ça fonctionne. Et les gens, ils vont déjà être contents. Et inconsciemment, s'ils ne savent pas qui honorer, ils vont honorer toi qui a boosté les gens parce qu'ils vont recevoir plus d'XP, je crois. Et ils vont avoir un skin gratuit, donc ils vont être contents. Mais ça va quand même fonctionner, vous allez voir. Hop, tu réfléchis pas. Boost! Tu réfléchis pas, le boost instant. Balance le boost, ils vont être contents. Je vais vraiment faire, je vais faire la technique où je parle pas du tout. Et vous allez voir, ça va quand même fonctionner. Je vais garder Sion. Non, je vais prendre le skin québécois. Non! Non, j'ai... À chaque fois, je me fais détruire parce que ça va trop vite et j'ai pas... J'oublie tout le temps. Bon, j'ai quand même Aftershock, ça passe. Alors, petite technique en plus. Petite technique en plus pour avoir les honneurs. Si vous avez la chance d'avoir un champion qui peut se jouer tank... Tankez et soyez présent de ouf. Là, 1, on a donné le boost. 2, on a un champion qui peut tanker, donc tankez. Si vous êtes le seul qui tank, et jouez bien. Et vous allez voir que si vous êtes présent dans une team fight, si vous les sauvez, ils vont vous honorer de ouf. Ah ouais, la scène, désolé. Donc si vous avez Soraka, Janna ou des trucs comme ça, gardez ce champion, c'est très important. Et si vous pouvez en avoir un, prenez-le. Si vous avez un champion à DPS... Jouez comme un fou furieux et détruisez la game, et là ça va être bien. Vas-y, vous savez quoi? Je joue beau gosse, mais on fait mort divisé par deux. Parce que je vais sûrement mourir 10 fois, ok? On fait mort divisé par deux, vous allez avoir mass giveaway de toute façon, les gars. Parce que si je joue pussy, je vais mourir 2 fois. Si je joue agressif, je vais mourir 10 fois. Et ça va être divisé par deux. Donc vous inquiétez pas, vous êtes bon. Mec, je suis cessé depuis 10 ans. Donc là, faudra pas faire n'importe quoi, évidemment. Si tu int, ils vont pas vraiment t'honorer. Tu vois, évidemment, t'as bonus si tu gagnes la game. Mais voilà, je vous montre une autre méthode de pouvoir jouer en PVP et d'avoir des honneurs. J'ai déjà plus de mana. Ouais, bah en fait, je me suis trompé dans mes runes. Hein. Ne regardez pas mes runes, en fait, j'ai pas eu le temps de les changer. Je vous conseille, il y a une rune qui est extrêmement forte en PVP. C'est Mind, je sais plus quoi, là. En gros, un kill ou un assist, ça va vous redonner de la CDR sur votre ultime et de la mana. Mais beaucoup de mana. Et vu que tu fais que des kills et assist en Aram, c'est une rune beaucoup trop importante. Je vais vous la mettre en description. Bah, dans le montage. Presence of mind, exact. Donc là, on se montre pas trop, on a pas trop envie de int. Je suis dans mon défi quand même, faut pas déconner. Normalement, fallait pas que je joue Ignite, fallait que je joue, bah... je sais pas, boule de neige ou des trucs comme ça. On est déjà pas mal résistant, en fait. En vrai, on est déjà très très résistant grâce aux résistances magiques. Et là, personne me connaît, hein, je suis en NL, les gars. Il n'y a pas d'excuse de « ouais, ils te connaissent, ils vont t'honorer ». Donc on n'oublie pas de regarder les soins, les packs de soins. Quand vous faites tabulation, vous pouvez les voir en haut. C'est important, ça. Ok, j'ai mon ultime. Ils vont avoir le pack de soins bientôt, c'est chiant. Je vais donner une marque de Dark Harvest, lui, malheureusement. Aïe, ça fait mal. Et merde. Ok. 4 secondes, le pack de soins. Pas aller le prendre, je pense. Ok, une seconde ici, on prend le pack. On attend Harry qui revient. Qu'elle revienne, je veux dire. Allez, j'engage. Je suis obligé de faire des trucs comme ça, sinon ils vont pas m'honorer. Il faut que ça débloque. Les gens, ils sont contents, je leur donne des giveaways. Des fois, il faut se suicider pour l'honneur, les gars. Ça, c'est une bonne action, ça. 1 pour 5. Ok, 2 pour 5. Donc on va prendre ça. Je vais attendre 50 gold pour le visage spirituel qui est vraiment OP de ouf. Oh, avec les packs de soins, ils seront 30% plus forts. Oh oui, baby.
En plus, il y a le heal de Annie qui va me donner plus, au cas où. Alors, il y a juste un problème, quand t'es full résistance magique, les tours vont te taper fort. Soin dans 14 secondes, ok, on va attendre un petit peu. Oh, ok, vas-y, attends, on va aider la Akali. Normalement, le soin arrive ici. Donc là, putain, mais c'est vachement agréable de jouer à Ram en vrai. Mais attends, mais je kiffe. Alors, c'est peut-être parce que je joue Sion. Non, en vrai, c'est parce que je suis invincible en vrai. En vrai, c'est parce que je suis invincible, c'est trop rigolo. Et en fait, le jouer de. En vrai, jouer tank, j'ai de la chance. C'est vraiment un des meilleurs trucs pour avoir d'honneur. Là, c'est la première fois qu'on teste, mais si vous jouez Janna, regardez, Janna, j'ai fait le même test avec Zash. J'ai int la game, hein. Je veux dire, j'ai pas int, mais j'ai vraiment fait de la merde. J'étais limite AFK, ils m'ont tous presque honoré. Hein. Et j'ai vraiment fait de la merde. Genre, je faisais tout pour pas mourir, du coup, je jouais vraiment extrêmement mal. Donc après, si vous voulez apprendre à vous build, bah regardez la chaîne de Toucan ou regardez les coachs Hoover. Il va vous apprendre énormément de choses. Ok, alors l'idée évidemment c'est de gagner la rame aussi. Hein. L'idée c'est de gagner la rame. Là le problème c'est qu'il fallait que je meure. Hein. Je vous conseille de mourir plus vite parce que là je joue pas bien. C'est juste que j'ai pas envie de donner un milliard de giveaways. Sinon je suis à la rue. Là on a assez de résistance magique en vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Niveau point de vie, qu'est-ce qui serait intéressant? Ça c'est pas mal ça. On prendra peut-être un petit peu d'armure, pourquoi pas, genre une cape solaire ou des trucs comme ça, ça pourrait aider. La Warmog, le problème c'est qu'il y aura des Liandry. C'est pas très gênant, ouais. C'est pas trop gênant. C'est la mana, là avec la bonne rune, ça aurait été trop bien. Je vais tout prendre dans la gueule. Sinon moi je prends rien du tout. Moi c'est juste la mana qui va me manquer là, parce que le bouclier va me permettre de bien plus tanker. Hop. Très important de prendre les devants en fait, les gens aiment bien l'aspect meneur en fait dans League of Legends. Vous pouvez mettre des petits pouces comme ça, hein, ça passe aussi, hein. Mais ne soyez pas trop chiant non plus. Forcez pas trop. Surtout si les gens connaissent la technique, ça risque d'être gênant. Genre. Bon on est mort 3 fois, faudrait qu'on remeure une autre fois parce que là il y a 2500 gold. Je vais me mettre devant, on va mourir au pire, c'est pas très grave. La Talia me fait zéro dégâts de toute façon. Même si je suis mort ici, c'est pas très grave. Bon, on n'est pas un Sion AD, du coup quand on meurt c'est pas ouf quoi. C'est à dire, je vais prendre un tout petit peu d'armure. Bah vous savez quoi, ça c'est très bien aussi pour les sauver. Ça ils peuvent kiffer ça aussi. Regardez-moi la taille de Sion, contrairement à Annie, c'est trop rigolo. Ah Kali, je suis désolé mais on peut pas vraiment t'attendre. Ah le bâtard! Ah, J'arrive pas à lancer mon Q, l'autre il me contrôle trop, il est chiant. J'arrive pas à lancer de Q. Moi je suis invincible, hein. Là je peux rouler ma tête sur le clavier, je suis invincible. Faut que je me prenne les tours. Allez GG. Le petit GG wellplay à la fin. Je vous conseille de faire GG à wellplay à la fin de tous vos games. Vous allez voir, ça fait du bien. N'oubliez pas, hein, si vous avez un honneur par game, ça suffit largement pour avoir votre honneur 2. C'est juste qu'il faut les enchaîner. Ok. I don't know. Akali a eu des balls, j'ai bien aimé. Kayle a sauvé ses... Vas-y, on va honorer Kayle, c'est gentil. Kayle peut me battre en honneur, en vrai. First try. La nouvelle technique, les gars. Donc, il faudrait qu'on recommence. Je pense que, sincèrement,
même sans débloquer le truc avec les RP, je pense que ça fonctionne. Donc je rappelle, si vous avez la chance d'avoir un champion tank, gardez-le. Et tankez comme un gros porc. Et tryhard. Franchement, soit le meneur de ton équipe et les balls et que ça paye. Tu vois, ça paye, vous allez gagner la RAM et tu vas te faire honorer. Deux, si tu joues Soraka ou Janna, si tu as ces champions-là ou des supports, garde-les. Et ne pars pas full AP, franchement, mets des boucliers, soigne tes alliés, etc. Et ils vont kiffer, ils vont t'honorer, ils vont se dire, putain, lui m'a sauvé dans cette game, je m'en souviens, etc. 3, si t'es un champion à DPS. 1v9. Quand t'as un DPS, il faut que tu 1v9. Sors les plays, joue pas dans ton coin. Si t'es brand, mais suicide-toi pour faire un pentakill, tu prends tout, tu défonces tout. Et c'est comme ça que tu pourras faire la différence. Donc voilà, t'as les 3 options. Si tu veux augmenter tes chances d'avoir un honneur ou plus, active le truc RP. Et boum, full honneur. Donc voilà, c'était une autre technique. Et il n'y a même pas besoin de parler. Hein. J'ai vraiment pas écrit dans le chat. J'ai juste lâché un petit GG à un moment donné. Et c'est rien, ça, tu vois, tu peux lâcher un petit GG. À la fin, un petit GG well played. Ça, c'est normal, tu devrais le faire à toutes les games, en vrai. Et tu vois, ça fait du bien. Même dans la défaite, c'est intéressant. Bref, c'est maintenant le giveaway. On est en stream aujourd'hui aussi, vous pouvez nous voir. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va le faire. A plus YouTube, ciao, bye.